Et salut à tous les amis, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente Crawl, qui est un jeu ultra ma foi pour sympathique. Et tout de suite écoutez, on va démarrer sans plus attendre. Le jeu est énorme, voilà, je tiens à le dire, le look du jeu est terrible et son gameplay est juste magique. Voilà. Alors, ce qui est bien c'est qu'on peut jouer soit en multi, soit jusqu'à 3 bots. On peut changer, il y a des bots aussi, normal, facile, hard. On va se mettre en facile. Et tout part de là. Un bouton pour attaquer, un bouton pour les capacités spéciales. Rien de plus, rien de moins. On commence avec deux arbres donc d'évolution. Soit celui-ci, soit celui-là. Donc voilà, donc soit on a le rat, l'espèce de petit ver de terre et le squelette. Ou alors on a l'araignée, une sorte de petit gobelin et le ver de terre. Donc du coup, moi je vais choisir celui-là avec le squelette. L'IA fait exactement de même et la partie va démarrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que on joue un fantôme dans un premier temps. En jouant un fantôme, on va pouvoir popper dans le jeu et justement combattre le guerrier et l'empêcher justement d'atteindre le level 10 à chaque fois qu'on joue, quoi. Voilà. Alors ça, c'est pour le fantôme. On va pouvoir posséder donc des objets aussi, des arbalètes, des torches pour pouvoir envoyer des boules de feu et ce genre de choses là. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a pas mal de trucs. Quand on est fantôme, on peut justement invoquer des créatures, donc par les pentacles qui étaient au sol. Alors là je suis mort, l'ennemi a récupéré de l'XP, il n'y a pas de souci. Son but à lui, donc en tant que guerrier, ça va être d'atteindre le level 10 pour pouvoir aller au boss de fin et terminer la partie. Nous, notre but, ben, en tant que fantôme, ça va être de l'empêcher justement d'arriver au level 10 et de prendre le plus d'expérience possible pour nous-mêmes aussi, quoi. Alors, hop, on va invoquer un squelette. Alors, je crois qu'on n'a pas le choix en fait de la créature qu'on invoque. Donc ça c'est un peu dommage, mais bon ça va, c'est pas grave, ça fait un peu tourner les créatures qu'on dirige, quoi. Donc c'est pas plus mal. Quoi dire d'autre, je suis tellement dans le délire du jeu que je vous explique même pas. Donc en plus le jeu se construit aléatoirement, quoi. Ça c'est vraiment pas mal. On se fight de tous les côtés, quoi. J'imagine même pas le plaisir qu'on en retire en multijoueur. Déjà, rien qu'avec les bots, là, c'est du pur bonheur. C'est ultra réactif, l'IA est bonne, elle frappe, elle reste pas bête, elle nous esquive. Donc c'est vraiment un pur bonheur. Donc là, je viens d'en tuer un, c'est parfait. Et du coup, c'est moi qui joue le guerrier, quoi. Donc là, voilà, il va falloir que j'essaye d'aller jusqu'à level 10, ce qui va pas être très très facile. Alors du coup, cette pièce, je vais l'évider. Je passe dans celle-ci, je vais grimper. Alors là, voilà, les ennemis peuvent prendre possession du lance-flamme, donc ça m'arrange pas forcément. On va redescendre, on va essayer d'aller ailleurs. Là, il n'y a rien du tout. On va essayer de casser les tonneaux pour voir s'il n'y a pas de l'argent ou des trucs à récupérer. Alors ça, je crois que ça fait de l'XP au fantôme, hein. C'est pas non plus ce que j'aime. Alors, ça, je l'ai pas visité en bas, il y a un point d'interrogation. Ok. Alors, ça, voilà, c'est l'endroit où il faut aller quand on est au level 10. Donc une fois qu'on est level 10, on passe là et on va à la fin du jeu, au boss. Le boss de fin du jeu est contrôlé de même par les ennemis. Voilà, c'est le boss du jeu à 3 bras je crois. Et donc chaque ennemi contrôle justement un des bras du grand boss, quoi. Alors là, on va se prendre plein d'ennemis sur la gueule, encore une fois. Voilà, donc du coup ça invoque. Et on va essayer de passer au level suivant en déverrouillant la trappe. Comment on fait pour déverrouiller la trappe? C'est très simple. Il va falloir que tu les ennemis à l'écran, quoi, et qu'il n'y ait plus de marque d'invocation au sol. Alors faut essayer vraiment de bien jouer, quoi. Hop, d'essayer d'esquiver et compagnie, ce qui n'est pas du tout gagné, parce que l'IA est quand même assez violente à ce niveau-là. Comment survivre, me direz-vous? C'est très simple. Parfois, on a aussi des salles donc de marchands, où on peut acheter des potions pour se régénérer la vie, et etc. On peut acheter des nouvelles armes et de nouvelles compétences, parce que là, de base, je peux juste esquiver. Sinon, on peut envoyer des cyclones et ce genre de choses-là. Là, on a fini l'étage. Du coup, on va voir les résultats. Donc du coup, moi, je suis passé level 4, le rouge le 2, vert 3 et l'orange 1. Parfait. Alors, par contre,
Je sais pas si vous avez vu, il y a marqué Vitae. Alors la Vitae, c'est ce qu'on récupère quand on est un fantôme. Et qui va nous servir justement à faire évoluer les créatures qu'on va invoquer. Donc ça c'est vraiment pas mal. Si on prend l'exemple du squelette, là j'ai 12 de Vitae. Avec 10, je peux le faire évoluer en archer. C'est ce que je vais faire. Tac, je le fais évoluer. Après, il pourra évoluer donc en archer un peu plus supérieur, ou alors justement en mage squelette, etc., etc. Ce jeu, comme je vous dis, c'est une tuerie. Quand moi je l'ai terminé une première fois, là, donc c'est ma deuxième partie en quelque sorte, je dois vous dire que, donc là j'ai récupéré une potion, je dois vous dire que franchement, une fois terminé déjà la première fois, on déverrouille des choses. J'ai déverrouillé des armes, des nouveaux objets pour que les fantômes puissent se mettre dedans et m'attaquer. Enfin, il y a plein de trucs à faire, à déverrouiller. C'est très très prenant, quoi. C'est un très très bon dungeon-like qui peut se jouer, donc voilà, avec une IA qui n'est pas bête du tout, quoi. Et accessoirement, en multi aussi, quoi. Donc, voilà, c'est Crawl. C'est le jeu de la mort qui tue par excellence. Voilà, j'ai rien à dire. C'est exactement à quoi je m'attendais. Je voyais pas ça autrement. Musicalement, c'est super. Ça propose une ambiance de fou. Bon, je sais que depuis tout à l'heure, vous entendez pas des masses la musique parce que j'arrête pas de parler. Mais je suis tellement à fond dans ce que je fais que voilà. Donc du coup, là, j'ai récupéré mon fantôme qui est en bleu. Je peux rien sélectionner d'autre pour le moment, à part juste récupérer des petites boules de Vitae. Donc c'est ce que je vais faire, je vais attendre mon tour, voilà, je vais récupérer les boules. Les boules. J'arrive même plus à parler, je suis tellement dans le délire. Alors hop. Eh merde, j'ai pas eu le temps de l'attaquer. Alors. Pom 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 pop. Vite. Voilà, je chope ça et du coup c'est moi qui lui a lancé le truc sur la gueule. Alors. Là aussi il y a quelque chose à jouer. Hop, je lui ai balancé les piques. J'ai pas eu le temps de le toucher. Alors. Donc voilà, donc là, il attend d'être level 10 justement pour pouvoir passer de l'autre côté. Et je vais m'invoquer. Et du coup, bon, je m'invoque malheureusement pas en archer, c'est dommage. Et en petit ver de terre. Petit ver de terre, il a un pouvoir, c'est juste de se téléporter à un autre endroit. C'est pas non plus terrible, il fait pas mal. Mais bon, au moins, voilà, je peux aller un peu là où je veux, quoi. Il doit avoir un petit peu plus de pouvoir, à mon avis, quand on le fait évoluer. Je sais qu'on peut même évoluer en dragon après. Enfin, il y a des trucs de fou. Hein. J'imagine pas le jeu une fois terminé. Enfin, complètement, je parle. Je sais aussi que les développeurs donc travaillent sur le jeu, parce que bon, il va bientôt sortir là. Mais apparemment, voilà, il y a un gros message à l'intro du jeu, disant qu'au fur et à mesure, ils allaient rajouter d'autres créatures, d'autres donjons, d'autres armes. Voilà, c'est que du bonheur. C'est franchement du bonheur, sincèrement. Alors, on va attendre que ça se fasse. Voilà. Alors, Humanity Regain. Hop. Ah vite, à moi, boules. Alors donc du coup, là, moi je peux rien faire de plus à part choper des boules. Alors hop, j'en chope. Alors en fait, il me semble que c'est des boules de Vitae, mais je sais pas. Ah, je crois qu'en fait ça sert à invoquer justement des sortes de... Les petits trucs bleus, là, les sortes de gros flubbers que mon ennemi est en train de détruire malheureusement. Et voilà. Et donc l'étage est terminé, l'ennemi est arrivé à partir. Alors on va voir si on a chopé un peu plus de Vitae. Et 9, 13, 16, ouais. Ouais, putain, 44, elle orange quand même. Oh. Mon dieu, quoi. Il va falloir faire super attention. Alors, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de gagner ma première partie, quoi. Allez, on mage squelette. On est parti, et qu'est-ce qu'on a après? Oh. Mon dieu, il a l'air énorme, mais 50 ça me demande hein, quand même. Donc faut y aller. Hein. Alors, on est parti, on va continuer. Les parties sont pas bien longues. Hein, voilà, on va dire qu'il y a 3-4 chapitres avant qu'un des joueurs arrive level 10. Quoi. Alors, hop, là du coup, il est parti au marchand le joueur. Donc voilà, s'il paye encore de son sang, il peut avoir de l'argent. Et après, il peut acheter justement voilà, des objets, des armes, des couteaux, des potions, etc. Donc du coup, là, il a fini son marché, il part. Et du coup, je suis encore transformé en petit lézard. C'est pas super, c'est pas super.
c'est dommage parce que bon, j'aurais bien aimé tomber sur le mage squelette. Je sais vraiment pas si on peut les sélectionner ou si c'est aléatoire. C'est un peu dommage quoi. Alors, j'ai mon spécial ready. D'accord, ok, bon. Donc de toute façon, ouais, c'était bien ma compétence. Je vais crever. Faut pas que je meure. Parce que sinon ça le fait pas. En fait, il y a que moi qui est en train de le faire chier là, je m'aperçois. Et je suis mort. Bon, ça c'est fait. Et merde, ils ont récupéré la boule avant moi. Et il revient chez le marchand. Ah, moi, dommage. Je peux pas avoir. Alors là, par contre, hop, je vais récupérer les deux boules. Attendre. Je vais en récupérer d'autres. Donc là, on va attendre. On va attendre qu'il sorte de là, que je puisse bien l'emmerder comme il faut. Peut-être là, non. Voilà. Hop, j'ai posé mon blob. Je vais encore en poser un autre là. C'est vraiment pour le faire chier, hein. C'est juste pour l'emmerder et lui faire perdre de la vie, quoi. Hop. Qu'est-ce que je peux prendre? Alors, je pouvais prendre possession de rien. Allez. Parfait. Le mage. Ouh. Putain, il fait mal quand même, le guerrier, quoi. Il frappe bien. En plus, il a pris le javelot. C'est pas super. Alors, on va voir le spécial de... Ok, alors, je sais pas ce que j'ai activé. Ça a l'air d'être de... Ah, des charbons ardents, on dirait. Un truc dans le genre. Alors, je crois que je l'ai tué. Hein. Il me semble que c'est moi qui l'ai tué. Donc, c'est parfait. On va faire le spécial. Au moins comme ça. Ah, putain, je suis mort. C'est pas évident à gérer. Franchement, c'est vraiment pas évident. Mais voilà, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur. J'espère que je vais arriver à vous montrer le jeu jusqu'à la fin, quoi. Ça pourrait être très sympa. Histoire de vous montrer vraiment de quoi il en retourne jusqu'au boss de fin. On va choper des blobs si j'y arrive. Et il a terminé l'étage. Et hop. Alors c'est bien parce que je continue à le faire chier. Et voilà. Et il a passé l'étage. Bon, ça c'est fait. Alors on va voir. On passe level combien. Donc je suis toujours level 6 hein, quand même. J'ai pas évolué depuis. Non. Par contre, 10 de Vitae, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. Alors, vu que à chaque fois, j'ai ce petit verre de terre. Ah, 15 il faut. Et... Ah bah parfait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire évoluer le petit rat et je vais le faire évoluer en sorte de gobelin ou je sais pas quoi. Voilà, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal du tout. Alors lui, je crois que si on le fait encore évoluer une fois, après on a l'évolution en dragon aussi. Enfin, si c'est bien un dragon en tout cas. Bon, voilà. Au fur et à mesure, on fait évoluer nos monstres, donc c'est assez tactique dans le délire. Chapitre 4, ce stack. The steak, je... Voilà quoi. Hop, l'arbalète, je peux pas la prendre. Si, parfait. Alors là, malheureusement, je peux pas la tourner. Il faut juste que j'attende que le guerrier voilà, passe devant pour que je puisse lui tirer dessus. C'est... Mon dieu, quoi. C'est une idée de génie. Le jeu est génial. Voilà, c'est le genre de jeu que j'aime voir. Voilà, sincèrement, j'aime voir ce genre de jeu. J'aime jouer à ce genre de jeu. Sincèrement, ça me plaît, mais énormément. Alors, hop, on a encore chopé l'arbalète. On attend à chaque fois qu'il passe devant, quoi. Alors, hop. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais c'est super parce que ça va à une vitesse, quoi. On n'a pas le temps de s'endormir. Ah, ça, c'est super. Le jeu, il est dispo sur Linux, sur Mac. Enfin, que demande le peuple, quoi. Sincèrement, quoi. Moi, en plus, voilà, j'ai un Mac. J'aime bien avoir de temps en temps des petits jeux comme ça qui sortent de l'ordinaire, quoi. Histoire de pas trop m'embêter, quoi. Franchement, c'est super, quoi, d'avoir des jeux comme ça. C'est aléatoire, les bots réagissent bien, le jeu est rapide. Que demander de plus, sincèrement. Alors, on va continuer à jouer. Ah bah parfait. Parfait. Et je pense qu'on peut les choisir, les monstres, si je ne dis pas de bêtises. Alors bon, depuis tout à l'heure, j'ai pas touché canette, j'ai pas du tout augmenté le niveau de mon guerrier. Les autres augmentent, d'ailleurs le rouge m'est passé devant. C'est un peu triste. Hop. Alors, ce qui est bien, c'est que je peux poser des bombes. Je me fais péter la gueule à chaque fois, c'est super. Ah ! Eh merde. Merde. Je peux pas poser des blobs. Non, j'avais pas assez de trucs. Ah putain, il change trop vite. Il change trop vite. Donc du coup, les portes sont fermées puisqu'il y a le blob. Bon, maintenant, non. Ça va à une vitesse, mais folle. J'arrive pas à... Alors. Oui, alors, on peut pas choisir, c'est vraiment aléatoire. C'est d'ailleurs un petit peu dommage, mais bon. Alors, hop. Je pense que je devrais arriver à le tuer s'il n'y a pas de souci. Ah, il bouge trop vite. Ah,
arrivé à le tuer, j'ai gagné plus 8 quand même, je crois, de sang ou de vitae. Il me semble que c'est ça, j'ai gagné plus 8 de vitae, si je me trompe pas. Hop. Putain, c'est vraiment pas évident. Je vais m'arrêter un peu de parler, comme ça je vous laisse découvrir un peu la musique du jeu. Et voilà. Bon, ok, pas de soucis. Ah, 31 de blood quand même. Alors, hop, truc est-ce qu'il faut pas qu'il détruise le cristal, quoi. Ah, alors là, ça y est, il est level 10. C'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, on va dire. Du coup, là, il va... Eh ben voilà, il va à la salle de téléportation. Et c'est pas plus mal parce que du coup, moi, la première fois que j'ai fait le jeu, donc je l'ai terminé tout à l'heure, je l'ai fait en guerrier. Donc du coup, je n'ai pas pu tester le fameux boss quoi, en question. Donc là, je vais pouvoir prendre possession du boss. Donc le boss qui est juste monumental, il est excellent, il a vraiment une belle gueule quoi. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre... Alors, je vais pas prendre la tête. Oula, j'ai pas compris ce qui se passe. Ah voilà. Alors, c'est très très bizarre. Hop, je vais me mettre dans le bras droit. Voilà. Allez, donc du coup, c'est moi qui envoie les bubules. Et les bubules comme ça sur le sol. Ok, donc c'est super bien géré. C'est vraiment très très bien géré. Donc moi, je suis tout en haut à droite, dans la papate droite, quoi. Alors, hop, j'essaie de le faire chier au maximum, mais il est vraiment très dur. C'est l'IA, elle envoie, mais... Oh, c'est... Voilà. Alors là, j'ai pu sortir. D'ailleurs, je me demande si je peux pas lui balancer des trucs. Alors on va essayer de se mettre. Moi ce que j'aimerais bien c'est me mettre en fait au milieu, si je peux. Ah putain, il a été plus rapide que moi le fantôme. Aïe aïe aïe, je vais pas y arriver. J'aimerais bien que le fantôme sorte. De manière à ce que je puisse prendre le... Voilà, ça y est, c'est parfait. C'est moi qui dirige le non-œil. Ah, putain, il est chiant, il est vraiment très chiant le joueur. Ah. Donc là c'est moi qui dirige le non-œil au milieu. Allez, là je fais carnage. Ah, putain. Encore une fois. Oui, oui. C'est très 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 plaisant. J'espère vraiment qu'ils vont rajouter des boss ou des trucs comme ça. Et putain, c'est le feu ça avec les potes. Ça devrait être le feu quoi. Je me languis vraiment que le jeu sorte une bonne fois pour toutes là. Qu'il fasse plein de mises à jour. Parce que voilà, déjà en deux parties j'en veux encore. J'en veux encore plus. C'est ça qui est parfait. Bon, je pense que là il va pas tarder à gagner. Donc là j'ai quitté, je suis en fantôme. Je vais essayer de me mettre dans la patte gauche. Ah ben voilà, donc du coup, c'est moi qui envoie les bulles. Les bulles. J'envoie pas les bulles roses, j'envoie que les bulles normales. Hop, donc j'essaie de le capturer pour pouvoir l'immobiliser. Et voilà. Bon, on est mort, c'est pas grave. Maintenant, résultat complet. De la partie, donc qui n'a pas duré on va dire si longtemps que ça. Et du coup donc ça c'est fait et on a encore déverrouillé des trucs. Godshrim Unlock, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être un nouveau personnage, une évolution, je sais pas. Épée, donc longsword, donc une longue épée déverrouillée. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? D'accord, donc l'arc déverrouillé. Et voilà. Et crawl, encercoin. Donc, voilà pour ce jeu, comme je vous disais, ultra, ma foi, fort sympathique. Rien de plus à dire, c'est une tuerie. Dès qu'il sort, franchement, prenez-le. Si jamais vous le prenez, franchement, vous m'appelez et on se fait une partie de suite. Sur ce, on se quitte, c'était Ricola. Salut à tous, ciao ciao, et à la prochaine.